Salut tout le monde, c'est Fir, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de City Survival. Et j'ai un petit peu avancé quand même en off, puisque j'ai... Attendez, je vais juste prendre une épée. Parce que j'ai quand même un petit peu... Je me suis trouvé un immeuble, je l'ai aménagé, tout ça. Alors, toi dégage, mon son du jeu est juste un peu fort, je vais le baisser un tout petit peu, parce que c'est vraiment fort. Voilà. C'est un peu mieux. Et du coup, voilà, je me suis choisi un immeuble. Au final, j'ai pas été très loin parce que j'ai pris le premier immeuble que je trouvais bien parce qu'il était pas trop grand non plus. Et je voulais pas un truc vraiment trop grand parce qu'en termes d'aménagement, ça aurait vraiment pris beaucoup de temps. Putain, ils sont relous. En vrai, je suis dehors alors qu'il fait nuit et tout ça. Mais bon, quand même, cassez-vous. Oh là, il s'est passé quoi là? Je sais pas s'il y a eu un bug de texture ou je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, je vais vous montrer. Donc voilà, hein, c'est cet immeuble là. Alors j'ai commencé à l'aménager mais j'ai pas non plus énormément avancé parce que j'ai joué mais sans plus vu que j'avais quand même d'autres choses à faire. Tac, on ferme. Alors au début vraiment il n'y avait rien de tout ça. Alors du coup j'ai rajouté 7 escaliers en comilie maçon. Alors au début voilà. Alors je me suis servi des matériaux que j'ai trouvé là-dedans, sauf le bois que je suis allé récupérer dans diverses forêts. Par exemple celle-ci j'ai toujours replanté pour éviter que ça nique tout. Du coup cet escalier, donc c'est la première chose que j'ai fait, l'escalier, voilà, que je m'y suis pris à deux fois. Au début c'était de 1, c'était vraiment moche, ensuite je l'ai recommencé, donc ça mène à cet étage là, vous voyez hein, j'ai pas fini de détruire les escaliers de base que j'aime pas trop, je pense que je vais conserver les paliers d'étage hein, comme on peut voir ici, puis ici, puis ici, voilà, qui font pas mal de paliers, comme ça me fera mes diverses pièces. Vous imaginez que rien que de monter jusque tout là-haut, ça fait quand même beaucoup de boulot hein, de tout remplir tout ça. Voilà, j'ai aussi rajouté ce petit escalier là vite fait parce que je compte ici faire une petite salle et ensuite là-haut en refaire une autre, donc je vais devoir tout couvrir ici. Et ensuite ça fera les paliers comme je vous ai dit, voilà, donc il y aura un étage ici et un juste au-dessus encore une fois. Puis ensuite je pense que je respecterai les paliers qu'il a mis le mec à la base. Donc voilà, ici je pense que ça sera ma salle des coffres ainsi que ma chambre je pense. De ce côté là je ferai la chambre par exemple. Quoique la chambre je la ferai à un endroit où il y a des fenêtres hein, parce qu'ici il n'y aura pas de fenêtres. Ou alors il faudra que j'en rajoute. Mais voilà, le palier suivant vous voyez que ça sera ici. Voilà, à cet endroit là. Donc on aura les fenêtres comme ça. Ça fera une grande baie vitrée en fait sur cet étage, voilà. Ici vraiment le seul truc qu'il y a c'est ça. Cette espèce de grand dôme là, de verre. Donc voilà, du coup pour ça, je sais pas encore comment je vais aménager le haut. J'ai pas encore réfléchi pour l'instant, je vous avouerai que j'ai fait que le rez-de-chaussée que je n'ai pas fini. Hein. Donc j'ai fait cet escalier en colimaçon qui me permet d'accéder au premier étage. Les arbres qui sont là, ils y étaient déjà, ça me donne des petites idées parce que je pense faire en fait un coin jardin ici. Donc par exemple, je vais le délimiter, admettons, ici, à partir de là. Voilà, je mettrai une délimitation ici comme ça. Et puis je ferai un genre de jardin ici, un espace détente, c'est comme un hall d'immeuble d'affaires en fait. Vous avez donc, normalement c'est pas comme ça évidemment, hein. Vous avez genre les ascenseurs et tout, tout ça, mais admettons. Voilà, donc là on a l'escalier qui monte comme ça. A voir si je laisse aussi les barres comme ça. Je me suis dit que ça fait un peu plus réaliste histoire que ça soutienne l'escalier. Mais d'un autre côté, l'escalier pourrait être fixé au pilier du milieu. Hein. Donc je sais pas si je le laisse ou pas. Je sais pas si ça fait plus propre de le laisser. Je sais pas encore. Donc voilà, donc là je vais améliorer. Je pense que je conserverai l'idée des arbres comme il a fait là. Je trouve ça sympa. Après, il me faut une silk touch pour prendre l'herbe, mais je sais que Chou en a une, donc il peut éventuellement m'en prêter une. Puis j'ai 32 niveaux, donc je pourrais tenter d'en avoir une. Non, on va tuer l'Enderman. Ils viennent tout le temps se réfugier chez moi, ils sont chiants. Ou alors ils doivent spawn quelque part. Faudrait que j'éclaire un peu mieux, c'est pas très bien éclairé. Quoique ça a l'air éclairé, mais peut-être dans ce coin-là. Voilà, ensuite j'ai fait un espace accueil avec voilà, des petits sièges d'attente, comme ça, vite fait. Et voilà, donc l'accueil ici. Donc on peut rentrer par là. Donc voilà, donc ça fait genre un siège hein, ça. Même si bon voilà, on est sur Minecraft, c'est compliqué de faire réaliste. Peut-être que j'aurais pu se mettre des plaques de des dalles, mais je sais pas si ça va pas niquer tout en fait. Je crois que ça va vraiment tout casser. Je sais pas si on peut poser des dalles. Parce que les dalles ça fera un peu plus. Est-ce que je peux reposer la trappe? Ah ouais, parfait. Bon, on va plutôt faire comme ça avec les dalles, hein. Ça fait moins surchargé, c'est mieux. Plutôt que l'escalier, hop.
Et on met ça. Voilà, donc ça fait genre un petit siège avec le bureau d'accueil ici et les gens qui viennent passer devant. J'ai mis des genres de barrières pour protéger. Au début, j'avais voulu mettre une vitre, mais c'est pas très. Regardez, je vais mettre, mais ça fait pas très beau en fait. Ça fait un peu bizarre. Voilà, je voulais pas mettre tout en vitre histoire de dire ouais, bon, il y a un peu de sécurité et tout. Voilà, je préfère mettre rien plutôt que mettre la vitre. Voilà, donc c'est un truc que j'ai fait en speed, mais que je. Ok. Chou qui pète un câble. Donc je trouvais ça pas trop mal. Attendez. J'ai oublié un truc. What the fuck? Qu'est-ce que je fais? Alors attendez. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Voilà. C'est ça que je voulais faire. Est-ce que ça le fait ici? J'ai oublié de le mettre ici aussi. Voilà. Ah, j'ai failli oublier. Voilà, donc ça, on dirait genre une maison genre de chinois ou je sais pas quoi là, de oriental, mais bon c'est pas ça. L'eau ici c'est juste pour sauter de l'escalier plus rapidement, je l'enlèverai à long terme. Pour l'instant c'est un peu plus pratique. Donc voilà, ça fait une genre de petit accueil comme ça. Et en fait j'ai fait un accueil pour cacher en fait ici une entrée qui m'en fait c'est un chemin qui m'amène vers chez Chou. Donc on va l'emprunter parce que on va aller chez Swick et Chou, donc je vais vous montrer un petit peu chez tout le monde pour cet épisode-là. Alors Chou qui s'est installé dans l'épave d'un vaisseau en fait, et Swick totalement, il a fait un truc un peu what the fuck. Donc je vais vous montrer, on ira chez ceux qui ont un peu joué, donc il y a Chap, il y a Chou, Elsa, Swick. Soup, je crois qu'il a commencé un truc, et il y a les deux frères Iwiz et Ziwi qui avaient fait quelque chose, mais... Je crois qu'ils ont juste fait des mines pour l'instant, ils ont juste miné et ils ont essayé d'aller sur un vaisseau mais c'est vraiment trop haut donc ils ont laissé tomber. Là on va rejoindre chez Swick avant, donc ça va faire un long chemin. On va mettre des rails hein, ici pour se rejoindre rapidement. Je suis à combien d'FPS là? Non, je suis à 29, 30. Ouais, j'ai l'impression de lag mais pas du tout en fait. C'est juste que ça se ressemble mais pas du tout, ça, je lag pas du tout. Donc on va aller faire chez Swick puis ensuite chez Chou. Chez Swick et Mehdi, je crois. Après, je sais pas si Mehdi compte aller ailleurs ou quoi, mais on verra. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas trop joué, bah, je crois. Attendez, est-ce qu'on est. J'en ai cité 9 là. À chaque fois, j'en oublie un, hein, je crois. Alors, j'ai dit Elsa, Chou, Mehdi, Swick, les deux frères. Soupe, j'en ai parlé. Chape aussi. Non, je crois que j'oublie personne. Alors là, c'était juste une petite grotte que j'avais trouvée. Où il y a un spawner d'ailleurs. Donc il y a un spawner à zombies, donc ça peut faire une petite ferme à XP. Vous pouvez voir que j'ai 32 niveaux, c'est juste en minant. Il faudrait vraiment que. Pour l'instant, j'ai vraiment un stuff de merde, j'ai pas beaucoup miné. J'ai que 12 de. Voilà, donc là c'est vers chez Swick. J'ai pas vraiment beaucoup miné pour l'instant, j'ai 12 diamants en tout. Donc voilà, c'est pas ouf. Donc on va aller vers chez Swicky. Je trouve qu'il m'a donné un peu de bouffe parce que j'avais rien par j'avais vraiment pas grand chose en fait en bouffe. Voilà, donc là c'est chez Swiki qui est parti dans un délire de FK. Il est vraiment parti dans un délire chelou où il met vraiment beaucoup de. Bah, je sais pas, il fait une tour de cobble, les gars, il a pété un câble. Moi je lui ai offert quelques stacks de cobble vu que j'ai récupéré en minant en fait. Donc voilà, il s'est fait quelques petits champs avec des pommes de terre. Et des carottes et même du blé. On a de la, comment ça s'appelle, la canne à sucre. La canne à sucre, je croyais que ça poussait que sur le sable, mais pas du tout apparemment. Il a ses coffres, il a pas mal de canne à sucre en fait. Il a ses coffres, là il a du bois, bon voilà, il a quelques trucs. Je suis pas allé à l'étage de sa maison l'autre fois. Ouais, il s'est fait un petit lit. Sa maison est pas plus mal, hein. Elle est simple mais elle est jolie, j'aime bien moi. Elle est plutôt sympa, je trouve. Je sais pas, j'aime bien sa maison. La maison en coin comme ça, enfin pas en coin mais contre le mur et tout, un peu arrondi. Je sais pas, c'est vraiment simple. Il devrait peut-être rajouter un peu de couleur, genre ici pourrait genre faire un genre de mini toit. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre ici, rajouter des dalles qui dépassent d'une couleur différente, ça pourrait être intéressant. Mais c'est joli, moi j'aime bien chez Swiss. C'est tout simple en fait, mais j'aime bien. Et je dis pas ça genre en me foutant de ta gueule si tu regardes la vidéo, mais vraiment, moi je sais pas. Au final, c'est con, hein, mais j'aime bien. Voilà, enfin la maison, hein, je parle. Hein. Après, bon, ça, voilà. Après, ça donne un bel aperçu de la map, je vais vous montrer. Ensuite, on va se diriger chez Chou. Et pour les autres, je mettrai une ellipse parce que c'est un peu plus loin. Sauf chez Elsa, c'est pas si loin, je crois.
J'ai noté les. Voilà, donc là c'est Verkhéchou qui est en train de faire un dôme de ouf. Enfin, c'est pas un dôme, ça fait plus une pyramide qu'un dôme. Ça rend pas mal. Quoique à la fin, si ça fait une pyramide, c'est sympa aussi. Donc voilà, là on est chez Swick. Donc on a Chou là-bas. Vous voyez là autour, donc je l'ai dit, hein, le vaisseau écrasé. Donc on va y aller, on va se rendre chez Chou. Faut juste que j'évite de crever comme une merde. Là on a un aéroport. Pour vous donner une idée, chez moi c'est vers là-bas. Hein. Alors attendez, j'aimerais bien rejoindre. Bon, je crois que je vais prendre les escaliers et jouer safe parce que j'ai pas envie de mourir en descendant. On sait jamais, puis c'est pas si long que ça. Bon maintenant on va aller voir chez Chou. Et ensuite, bah, je pense que je mettrai une ellipse pour aller voir chez Chap et Elsa, chez qui je suis encore jamais allé. Chou m'a dit que Chap avait fait un joli truc et Elsa, je crois qu'il a pas trop aménagé, il s'est juste choisi un endroit, donc je vous montrerai l'endroit en question. On met souvent des Wither Clear hein, parce que c'est assez relou le. Il y a souvent de la pluie sur ce serveur, de la pluie, de l'orage. Ah, et sinon, les bugs du premier épisode sont plus ou moins réglés parce qu'on n'est jamais 9 de connectés en même temps et du coup ça va beaucoup mieux. Surtout que la map a été bien générée par tout le monde donc. Ça va, je vais éviter de courir parce que j'ai pas pris énormément de bouffe et que Chap est à 1000 blocs de nous. Bref, après tout ce qui est Nether, tout ça, j'ai pas encore fait. Pour ça, voilà, je me suis pas encore embêté à aller dans le Nether et tout ça, j'ai pas énormément miné. Là, j'ai assez de diamants pour me faire une pioche et la table d'enchant. Donc, je pourrais également aller dans le Nether. Donc, là, je me dirige vers chez Chou. Je vais regarder à combien de temps on en est. On est déjà à 12 minutes, hein, ça va vite. De toute façon, après, je ferai des ellipses et tout ça pour. Sauf peut-être pour aller chez Elsa, où c'est pas très grand et c'est pas très loin, pardon. Et puis, ça nous permet de visiter un peu la map vite fait. Après, chez Chap, je pense que je mettrai une ellipse parce que c'est à 1000 blocs. Je vais éviter de vous montrer ça quand même. Sachant que je me prendrai sûrement de la bouffe en chemin parce que j'en ai pas beaucoup. Faut vraiment que j'aille chasser et que je me fasse un petit élevage. Alors, donc là on est chez Chou, donc on est à l'intérieur de son pseudo-dôme pyramide. Ça ressemble plus à une pyramide qu'un dôme. Tout à l'heure, il a beaucoup avancé, hein, tout à l'heure, il avait pas fait tout ce côté-là. Il avait juste fait ça. Voilà, donc Chou qui joue pas mal sur le serveur. Donc là, il a sa petite plantation de canne à sucre. Sa plantation qu'il vient d'aller récolter parce que lorsque j'étais parti, il a tout qui était jaune. Donc sa plantation de blé. Ici, est-ce qu'il a fait quelque chose en particulier? Je crois qu'il y a, je sais pas s'il n'y a pas eu des explosions de creeper ici. Mais je pense pas, je pense que c'est fait exprès. Hein. Là, on a un accès vers son nether, je crois, tout là-bas. Il y a un long chemin de rail avant. Puis Chou qui a quand même une. Oups, ça va, j'ai rien cassé. Je trouve qu'il y a quand même une belle vue hein, sur les immeubles à côté et tout, c'est plutôt sympa. Après moi ce que j'aime bien dans l'idée d'avoir un immeuble, c'est que plus on monte et plus on aura un bel aperçu de la map, quoi, ça sera vraiment joli. Donc voilà, il a fait un petit élevage de moutons vite fait, les carottes ici, et je crois qu'il a rien à l'intérieur, mais je vais vous montrer l'intérieur du vaisseau. Voilà, donc il a déjà ses bibliothèques, tout ça, il a vraiment beaucoup farmé, je trouve que c'est celui qui a le plus farmé d'entre nous. Ouais, avec ses coffres ici. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, il a pas mal de cobble. Bon, moi je vous ai pas montré, mais j'ai fait un cadeau à Swick de 8 stacks de cobble parce que bah j'en avais pas spécialement besoin. J'en ai un peu gardé quand même au cas où, mais j'en avais pas énormément besoin donc je m'étais dit que j'allais lui en faire cadeau parce que je sais pas jusqu'où il compte aller avec sa muraille, mais bon. Alors là, je vais afficher les coordonnées parce que je dois aller chez Elsa. Alors c'est en 17-200. Ouais, c'est pas trop loin, 17-200, donc c'est par là, merde, je suis toujours dans le dôme, alors, 17-200, alors, par là, non, c'est par là, d'accord. Donc on va aller vers chez Elsa, je sais pas du tout où c'est, on va voir. On va sûrement se rapprocher un peu de la ville, ah merde, il y a un mur ici, j'espère qu'on peut le contourner. Alors, 17-200. 17, 17, 17. Je pense savoir vers où c'est. Il faut que je contourne cet immeuble-là, qui est juste là. Alors, 17, on s'en rapproche. On va commencer à aller là déjà. Voilà, cet immeuble que j'avais hésité à prendre, mais vraiment pour l'aménager, il est vraiment super beau, hein, mais pour l'aménager, ça aurait été vraiment énormément de boulot. Donc j'ai préféré me prendre un immeuble pas trop grand.
Mais voilà, j'ai des gros projets, donc à la fin de la vidéo, je retournerai vers mon immeuble pour vous parler de mes projets en fait que j'ai. Alors, moins 200, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça, la pyramide en question. Ouais, je vois des trucs de Nether dedans. Alors, attendez, je vais juste passer et le remettre. Alors, on va enlever ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Donc là, il s'est mis des lits, mais je pense que les lits étaient déjà en fait. Alors, ouais, il a un petit peu miné, vite fait. Peut-être un peu exploré les environs. Il a pas fait grand-chose, je pense. Terre et pierre. Ouais, voilà. Il a pas mal de dalles, à ce que j'ai vu. Moi, les dalles, je sais que des dalles en pierre, j'en avais pas mal à récupérer dans mon immeuble. Il a nourriture, céréales, bois, voilà. Bon, il a pas fait grand-chose pour l'instant. Je sais pas s'il a plus aménagé que ça. Vous voyez, donc là il a pas mal de verrues. Il s'est fait ses potions aussi. Il a un portail du Nether. Bon voilà, il a quand même commencé à aménager tout ça. Après c'est pas très grand, hein, donc je sais pas trop comment il compte aménager tout ça. C'est pas super grand, donc il a pas eu beaucoup d'ambition. Ou alors il prévoit peut-être de faire un truc en sous-sol ou quoi, je sais pas trop. Ce New Pyramid, Submarine Way. Submarine Way. Voilà, j'aimerais faire des genres de métro comme ça qui rejoignent tous nos immeubles à chaque fois. Mais ça va demander tellement de temps et de boulot que je sais pas si on le fera. Mais je pense, hein, parce que je suis quand même pas mal motivé par ce serveur et plus que la saison 1. La saison 1 en fait, ça a été un peu des illusions. Le côté. Le fait qu'on pouvait pas miner comme on voulait en fait. C'était vraiment pas de la vraie survie parce qu'on a dû partir très très loin pour. Je vais tuer les squelettes là parce que. Défoncer sinon. On a vraiment dû partir très loin pour pouvoir récupérer des ressources et tout. Donc pour tout ce qui était déco et tout, c'était vraiment pas pratique du tout. Enfin bon voilà. Bon là je vais vous mettre une ellipse, le temps d'aller chez Chap. Et dès que je suis chez lui. Alors attendez, je vais m'éloigner un peu. On sait jamais s'il y a un creeper qui me pète dessus, j'explose pas toute la map. Dès que je suis chez Chap, je vous retrouve et on explore. A tout de suite. Re donc je crois que j'arrive vers chez Chap hein, du coup. Je pense que c'est ça. Allez, allons voir. Alors donc ça doit être sa maison. Ça c'est un mini enclos. On a quelques petits champs. Alors si je peux me permettre une critique, je trouve que sa maison manque peut-être un peu de relief. Genre je sais pas ce que ça donnait genre ça de le mettre ici en fait. Je sais pas si ça choquait ou quoi. Vous voyez c'est un peu tout carré. En plus il a pas mis de... Je sais pas pourquoi mais il a pas mis de fenêtre. Alors là j'imagine que c'est sa grotte. Qu'on va aller voir. Ah ça c'est plutôt sympa, j'aime bien le principe là. L'eau qui coule avec. Ouais ça c'est sympa par contre, ça j'aime bien. C'est plutôt sympa. Je pense qu'il a pas fini d'aménager non plus hein, parce que vous voyez il a gardé les murs de base et tout ça. Donc là on a sa salle des coffres. Avec un under chest. Je sais même plus comment on fait un under chest. Je crois que c'est un œil de. Je sais plus quoi là, comment ça s'appelle? Un œil du néant ou je sais pas quoi, entouré de. Je pense que c'est ça. Ouais, il a pas mal de biblios. D'accord. C'est marrant le mur en biblio comme ça. Alors je voulais lui piquer un peu de bouffe pour repartir en arrière. Ici, il a des pousses de feuilles de chêne. Feuilles de chêne. Poto, je vais te piquer quelques feuilles de chêne. Je te les rendrai quand je pourrai. Tiens, je te donne une fleur en échange. Tiens, je te donne même des cristaux de prismarine. Hein, je suis vraiment super sympa. Je te les rendrai quand j'aurai une silk touch. Ah ouais, il a beaucoup plus de minerais que moi quand même. Quand on regarde, je suis parti full pod en mode bas les couilles. Qu'est-ce qu'il a un peu de bouffe? Il m'a dit qu'il en avait, mais j'en vois pas. Ah quoique, ce que je vais faire, c'est que je vais honnêtement, j'ai récolté pas mal de bouffe en chemin, comme vous pouvez voir. Je vais juste lui piquer un peu de charbon. Si il en a, hein, je sais même pas s'il en a. Il n'y a pas de charbon, il en a que 5. Bon, au pire, tu viendras chez moi, si tu regardes cet épisode, tu viendras chez moi me piquer un peu de charbon, j'en ai vraiment beaucoup, donc tu peux y aller. Parce que là j'ai vraiment plus de bouffe et c'est un peu problématique. J'ai bouffé de la chair. Non, j'ai pas bouffé de la chair putréfiée quand même. Donc voilà, il a mis de quoi s'enchante. Quelques petites potions des verrues. Bon voilà, il a fait son petit monde.
Tranquillou, ça j'aime bien l'entrée comme ça avec ça là comme ça. Avec j'imagine qu'il doit y avoir de la lumière peut-être par là. Non, il n'y en a pas. Ah si là. Mais il a pas mis de l'autre côté, c'est bizarre. Avec une lampe en redstone. Oh, j'aime bien le principe, j'avoue, je trouve ça sympa. Bon, il a un peu mis les lampes en mode random, j'ai l'impression, mais mais à part ça, c'est pas mal. Alors, je vais attendre un petit peu que ça cuise. J'aimerais bien en avoir un peu plus parce que pour le retour, il va m'en falloir plus que ça. Puis je crois qu'il y a que ça. Eh, mais vous m'avez vendu du rêve pour rien. Ouais, c'est sympa, les gars, ok, mais quand même, c'est pas non plus. Enfin, c'est pas que c'est moche ou quoi, c'est petit en fait, c'est grave petit. Ou alors, j'ai complètement manqué une partie du truc, mais. Je sais pas. Bon, je vais lui donner des trucs. Tac, tac. Voilà, je lui donne quelques trucs. Dans la peau de lapin, je vais le garder. Je pense que ça peut être utile. Voilà. Hop. Oui, j'ai quelques perles du néant. Je sais plus comment on fait la. Je crois qu'il faut des trucs de blaze. Et Chou m'a dit que je pouvais en prendre pour faire un œil du néant et faire un coffre de. Un under chest, pardon. Est-ce que je peux me servir du sien? Bah ouais, mais il faudrait que je l'ai. Je sais plus comment ça marche les under chests, j'avouerai. 10 de bouffe, ça devrait suffire, hein, ça donne pas mal. Retourner à la maison. Bon, bah voilà, on a visité tout le monde. Je vais juste regarder encore un petit peu, voir s'il n'y a pas autre chose, on sait jamais. C'est joli, mais c'est pas pratique, hein. Oh putain. Voilà. Après, dans l'ensemble, c'est plutôt sympa quand même. Hein. C'est plutôt sympa. Ça manque un peu de relief à mon goût, mais. Ou genre, même ça là, vous voyez ça, le décalé de 1 comme ça, je sais pas. Ça manque un peu de relief, mais ça reste sympa. Le style est plutôt joli. Je suis ok. Avec un petit chemin comme ça. Ah, il y a un chemin vers ces grottes là-bas. Je vais aller voir. On va voir si c'est intéressant ou pas. On va voir si c'est juste des bêtes grottes, bon, enfin des mines plutôt. Je vais remonter tout de suite, mais je vais aller voir, on sait jamais. Ah, il a fait un genre de petit chemin vers le Nether. Voilà, et son portail, il est là. Avec, ouais, genre ça brûle et tout. Comme diraient certains, ouais, il a fait du minage opti. Et bon, je pense qu'il n'y aura rien d'autre de vraiment intéressant. Il a fait du minage opti. Voilà, moi j'ai pas tellement miné hein, en soi. Faudrait que je mine un peu plus. Pas mal de glowstone aussi, faudrait que j'en fasse également. Des lampes de redstone, je les trouve vraiment jolies. Donc je vais tranquillement retourner à la maison et je vais pouvoir vous parler du coup des projets que j'ai. Et on arrêtera là pour ce second épisode où on aura fait pas mal d'exploration encore une fois. Pour le prochain épisode, je sais pas trop encore ce que je ferai, mais. On partira peut-être plus sur de la construction ou du minage ou des trucs avec Chou ou d'autres, je sais pas encore. On verra pour ça. Mais bon, voilà, pour l'instant, je vous dis à tout de suite le temps que je retourne chez moi. Donc, je suis de retour chez moi, donc il m'a fallu un peu de temps. Voilà, j'ai plus beaucoup de bouffe, j'ai mis un petit peu à cuire d'ailleurs. Il va falloir que je range mes coffres, mais pour ça, avant de ranger mes coffres, j'aimerais quand même faire ma salle des coffres qui va du coup être là-haut. J'espère que ça va pas spawner, mais a priori non, parce que c'est que des dalles hein, le sol. Voilà, donc par exemple, si je pose, ça va surélever. C'est un peu con, mais merde, j'aurais pas dû faire ça par contre. C'est pas grave. Ça va surélever. Du coup, je pense qu'il faudrait que je mette toujours des petites dalles en dessous si je veux faire des meubles ou des trucs comme ça. Voilà, donc ça sera peut-être un peu gênant, mais par exemple, je pourrais très bien, genre par exemple, prendre ce coin-là en me disant là, je vais mettre mes coffres. Enfin, pour les coffres, c'est pas gênant, on peut mettre une dalle en dessous ou un truc comme ça. Mais par exemple, si je veux faire un lit au-dessus, il faudra que peut-être que je surélève de juste de 1, ce qui sera pas spécialement trop embêtant non plus, sachant que je le ferai par exemple de l'autre côté, et puis on sera tranquille. On verra. Voilà, je pense que mon lit, enfin du coup, mon lit, ma chambre plutôt, prendra un grand espace juste au-dessus où il y a les grandes baies vitrées. Là, on va faire la salle des coffres ici. Ici, je sais pas encore ce que je ferai. Sachant que la salle des coffres, juste ce coin, sera peut-être un peu limite. Donc, peut-être que la salle des coffres, il y en aura plusieurs. Au début, je pense que ça suffira largement. Hein. Tout ce grand coin ici, ça sera largement suffisant pour une salle des coffres.
Voilà, ici, je sais pas trop ce que je pourrais faire. Je pense que déjà, ce que je voulais faire, c'est mettre des genres d'escaliers tout le long comme ça. Qui soient un peu en coin ici, comme ça. Ça devrait faire sympa, les escaliers de cette couleur-là, comme ça. Un coup blanc, un coup en bois. J'aurais bien aimé avoir du Dark Oak, mais le problème, c'est que... On va mettre quelques torches, mais normalement ça devrait pas spawn, mais c'est juste pour un peu plus de lumière. Et voilà, on peut pas mettre de trucs ici, donc ça devrait être bon à niveau spawn. Normalement je suis tranquille. C'est marrant, je savais même pas qu'on pouvait ne rien poser sur ces... Ah mais c'est parce que c'est des verres de 1. Je sais même pas si c'est des verres de 1, non, c'est pas des verres de 1. Je savais pas qu'on pouvait rien poser sur le verre. Et donc voilà, du coup je pense, voilà, là, la salle des coffres, ici sûrement un escalier aménagé. Là peut-être que je pourrais faire une petite... Enfin là je mettrais peut-être une petite salle de ce côté, comme ça, genre avec un canapé, un truc comme ça, pour avoir une belle vue comme ça sur le reste, sur la ville là-bas. Et voilà, après il va falloir que je fasse un plafond sur tout le long, ça va demander beaucoup de blocs. Voilà, donc pour l'immeuble, pour l'instant c'est ce que j'ai prévu, j'ai des petits coups de frise mais rien de grave. Voilà ce que j'ai prévu pour l'immeuble, du coup ici on imagine une salle des coffres, là-bas un plus grand escalier qui prendra vraiment tout le long comme ça avec le coin et tout. Là une petite salle comme ça avec un petit toit au-dessus, enfin un plafond plutôt. Et juste au-dessus du coup la salle où je dormirai, peut-être que je ferai genre une petite cuisine, genre une maison, une sorte de maison sur tout l'étage au-dessus. Et après les étages au-dessus, ce sera plus des étages fonctionnels je pense. Par exemple avec un nether ou quoi. Après le nether ça, il sera un peu haut, donc je sais pas si je mets un portail du nether là-haut, ça fera peut-être un peu trop grand. Par contre si ça pouvait arrêter de me faire des frites, ça serait pas mal. Par contre en revanche ce qui pourrait être intéressant, c'est ici dans le petit jardin que je vais mettre, faire une genre d'entrée cachée qui mène vers des sous-sols où je mettrai le portail du nether, mes plantations et tout ce genre de trucs. Ils sont en train de se fighter là. Enfin ils sont en train de cramer en fait. Voilà, donc maintenant, donc là c'est ce que je vais faire pour mon immeuble. Je voulais également vous montrer ce que je voulais faire en dehors de l'immeuble. Alors, donc déjà, par contre, toi tu vas te calmer s'il te plaît. Putain, il me saoule. Voilà, dégage. Toi aussi. Voilà, ça dégage. Alors, donc vous voyez ici. Alors, donc là il y a mon immeuble. Pas de soucis, tout va bien. Là c'était donc les coffres du début, hein, vous vous en rappelez sûrement. Ça je pense qu'on va le laisser en souvenir, hein, les petits coffres comme ça. Ou alors peut-être que je les enlèverai pour mettre une... Enfin on verra, mais je sais pas encore ce qu'on fera de ces coffres. La plateforme où on a spawn au début, j'aimerais la garder. Juste l'aménager un peu, par exemple terraformer un petit peu la montagne ici. D'un côté et de l'autre faire une... mettre des barrières qui vont jusque dans l'eau. Et je voulais faire une sorte de petit chemin quand même qui mène à la ville comme ça, un beau chemin, un peu comme il a fait le mec mais en amélioré parce que c'est pas très poussé on va dire. Avec genre des lampes torches sur le chemin et tout. Enfin pas des lampes torches, des lampadaires pardon sur le chemin. Voilà donc un chemin qui mène en fait jusqu'à la maison juste là en face où on a spawn au tout début que je souhaite conserver par histoire de dire quoi, c'est là qu'on a commencé l'histoire et tout. En plus moi ça me fait vraiment un aperçu dessus depuis mon immeuble donc c'est plutôt sympa. Je voulais également rénover les sortes d'hôtels là-bas que je trouve un peu moche, en faire une tour un peu plus jolie. Voilà, pour faire un peu mieux. Alors là ce que vous vous demandez c'est les deux frères Ziwi et Iwiz qui sont allés jusqu'en haut, jusqu'au vaisseau, donc ils se sont un peu fait chier. Également ce que je voulais faire. Alors en fait je voulais relier en fait mon immeuble à un autre, je voulais le relier soit à ceux-là, à ces immeubles-là, soit à l'immeuble-là, mais ça ferait vraiment une grosse distance et je sais pas trop comment je pourrais me débrouiller pour faire ça proprement. Faire une sorte de tunnel en fait, je sais pas si je vais le faire. Après ça c'est vraiment pas ma priorité. C'est quoi ça? Created by Zimo, oui, Zimo qui a fait la map. Donc pour ceux qui se demandent, il y a la map en lien dans le premier épisode dans la description. Hein. Attendez, on va pleut tout le temps, c'est un truc de fou. Voilà. On va éviter de garder ça. Ensuite, ce que je voulais faire, c'est voilà, donc je voulais faire un accès aussi genre aux sortes de montagnes là. Et puis vous voyez là, donc le mec a fait la délimitation de sa map. En fait, il a fait tout le long. En fait, ça fait un rectangle d'eau en fait. Alors ce que je voulais faire, bon c'est un peu ambitieux quand même parce que ça risque de prendre vraiment du temps, c'est faire un tunnel entre les deux montagnes comme ça, qui se relient, et la montagne là en fait la terraformer pour que ça fasse propre et qu'elle aille dans l'eau et tout, donc que ça fasse pas une coupure nette comme ça parce que ça fait un peu moche. Donc voilà, je voulais faire un truc comme ça pour que ça fasse sympa, mais voilà, ce sera un projet à long terme.
Je veux pas non plus le faire sur toute la longueur, mais plus de mon côté, hein, tout simplement, le côté où j'habite. Comme ça, quand je sortirai, même quand je regarderai mon immeuble depuis les étages là-haut, et que je regarderai, bah, je verrai la montagne comme ça. Parce qu'après, à long terme, je pense que je me ferai une première chambre, voilà, ce sera vers ce niveau-là. Mais je pense que je me referai également une chambre tout en haut, vraiment, pour avoir un aperçu sur vraiment une grosse partie de la map, et ça pourrait être vraiment sympa. Donc, attendez. Voilà. Désolé, c'était une notif YouTube. Donc, je pense que je vais faire un truc du style. Voilà. Donc, si vous avez des idées également, n'hésitez pas à me les apporter. Je sais que la saison ne fera vraiment. C'est quasiment impossible qu'elle fasse autant de vues que la saison 1 qui a 36 000 vues sur le premier épisode. J'ai mis le lien d'ailleurs de la saison 2 sur le premier épisode. Donc, j'espère que les gens feront attention parce que j'avais eu pas mal de demandes pour la saison 2. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire qui disait que bah, il attendait effectivement cette saison 2. Donc voilà, pour l'instant, je suis vraiment très content et je suis très motivé, hein, vraiment. J'ai fait un screen sans faire exprès. Très motivé à améliorer cette map et tout. J'ai hâte de voir ce que vont faire les autres. Je sais que Chap et Chou sont aussi pas mal motivés. Les autres, un peu moins parce que bah Bah, par exemple, Soupe, à mon avis, il va jouer un petit peu puis il va vite arrêter. Elsa, je sais pas. Elsa, à mon avis, il passera de temps en temps comme ça et il améliorera petit à petit, mais il va pas jouer vraiment énormément non plus. Pour Swick et Mehdi, je sais pas. Ils ont fait leur petit truc que je vous ai montré. Je sais pas s'ils comptent faire autre chose. Voilà, après, voilà. Avec Chou, par exemple, on avait parlé de tuer le dragon, tout ça, parce que j'ai jamais tué le dragon dans Minecraft pour ma part. Alors que ça fait quand même. Ça doit faire 2 ou 3 ans que je joue à Minecraft. Mais je l'ai jamais tué. Voilà. Donc voilà, si vous avez des idées comme faire des usines ou des trucs comme ça, même si je suis vraiment pas un pro là-dedans, ça pourrait être l'occasion d'essayer de m'y mettre, d'essayer de voir un peu ce que ça donne, de tenter de faire des usines et tout. Voilà, on veut faire de cette map un endroit fonctionnel où on peut vivre, enfin vivre à l'échelle d'un jeu, hein, bien sûr, et faire des choses sympas ou avec quelques fonctionnalités en plus qu'on a sur une simple map. Voilà, donc j'espère que le serveur va vraiment durer et que on pourra vraiment faire quelque chose de sympa avec par exemple un regroupement après où on travaille sur des projets en commun comme améliorer, je sais pas, je vais dire une bêtise, enfin pas une bêtise mais je vais dire n'importe quoi. Et par exemple là l'hôtel là que je veux améliorer, peut-être qu'on pourrait le faire tous ensemble ou améliorer par exemple les rues ou un truc comme ça, parce que moi par exemple j'aime pas trop le désert autour là, ça fait un peu bizarre en fait. J'aimerais qu'il n'y ait pas le désert juste autour de mon bâtiment, faire une sorte de rue peut-être. Voilà, j'aimerais améliorer les rues aussi, comme ça, hein, c'est vraiment trop minimaliste. Donc j'aimerais l'améliorer un petit peu, enfin, ça, bêtement et simplement, mais voilà, pas faire des trucs de fou non plus, mais. Parce que je suis loin d'être un mec super fort dans tout ce qui est craft, enfin pas craft, mais construction dans Minecraft, mais voilà. Essayer d'améliorer tout ça et peut-être faire une grande place ici, en bas de pour moi c'est l'immeuble principal, voilà, donc faire une place ici, ça pourrait être intéressant. Oui, 2 secondes, je suis en vidéo. J'en ai pas pour longtemps. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on améliore tout ça, donc j'espère que les autres seront aussi motivés que moi, enfin au moins une partie, on va dire, qui seront motivés à essayer d'améliorer tout ça. Voilà, pour ma part, pour l'instant, je prends cet immeuble. Il est petit, donc peut-être que ça vous déçoit que je prenne un immeuble plus ou moins petit. Je sais pas, vous attendez peut-être à ce que je prenne un immense immeuble et tout, mais pour avoir fait la saison 1, vraiment, pour aménager un immeuble super grand, c'est vraiment la mort. Dans la saison 1, quand j'avais pris mon immeuble qui était super grand, je sais pas si vous en rappelez, pour ceux qui ont éventuellement regardé la saison 1, c'était vraiment super long et à faire, donc. Donc voilà, je pense que vous comprendriez si vous avez vu la saison 1, parce que c'était des heures et des heures pour déblayer les étages. Rien que là, pour faire ça, j'ai dû mettre 1 heure, hein, pour déblayer ça, faire mon escalier et tout ça. Ça, j'ai dû mettre 20 minutes à le faire, parce que je suis un peu nul en construction. J'ai un petit peu fait au pif, mais ouais, j'aime bien le résultat. Donc voilà, c'est le principal. Ça, on va refermer. Voilà. Au final, c'est un peu des cache-misères que j'ai fait. Par exemple, là, voilà. Bon, c'est un peu bizarre. Hein. Vous arrivez à l'accueil, vous avez des trappes en dessous. Bon, ça, c'est juste histoire de dire parce que j'ai fait mon trou là. Donc, je me suis dit, bon, au début, j'étais là, je vais faire genre une entrée de tunnel. Puis au final, non, je vais tenter de faire un accueil comme ça. Bon, il y a rarement des accueils comme ça, mais je trouve ça sympa. Ça change un peu de l'ordinaire. Voilà. Donc, il me restera, je pense, dans le prochain épisode, pourquoi pas faire ce jardin que je voulais faire ici. Et ben dans les épisodes suivants, on pourra éventuellement s'attaquer à la suite. Donc, je pense qu'il y aura des épisodes minage, des épisodes en coop, il y aura des épisodes
construction, voilà, pas mal d'épisodes de construction, mais bon, il y aura du minage, tout ça, donc bon, on verra ce que ça va donner. Voilà, j'espère que ce second épisode vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!